ce qu'on a ici. Dolly, Dacius, hey, Kate. C'est le grand concours de pizza. Ah oui. Bienvenue dans la classe. Ah, avec notre chef, Marc. Faisons un peu de magie. Ah oui, l'heure de la pizza. Allez, on tire sur cette pâte. Jolie et extensible. Et puis, go! Hein? Pas de sauce? C'est... Oh, je suppose que tu n'es pas complètement perdue. Continue comme ça, les filles. La ville de la tomate. Wow! Boum, boum, pow! Dolly presque terminée. Wow, ce truc est un vrai bordel. Est-ce qu'on peut appeler ça une pizza? Kate? Hein? Oh non! Pas de main? Défi accepté. Ouh, Marquissimo! Fais-nous une pizza! Ce mec est un chef de classe mondiale. Incroyable! C'est fait! C'est la pizza la plus parfaite que j'ai jamais vue! On peut pas nier! Bravo, bravo! Et maintenant, Dolly! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Désolée, Dolly! Hey! Oh! Hey! Marc est tellement beau! Et Dolly n'a pas de rendez-vous! Sérieux? Hein? Idée? C'est ce que je pense que c'est! Je crois qu'on va bientôt le découvrir! Elle glisse un papier à la serveuse! Hein? Qu'est-ce que c'est? Pas de main! Ce rendez-vous est sur le point d'aller vers le sud! Marc, qu'est-ce que t'en penses? Voilà ce que notre garçon voit. Cette fille est folle. L'addition, s'il vous plaît. Ou encore mieux, un assistant. C'est mieux. Merci, mon garçon. Je pense que ce rendez-vous pourrait être sauvé. Clin d'œil. C'est l'heure de la fête. Tu t'éclates. Denny? Oh! C'est le garçon le plus mignon de la ville, n'est-ce pas? Et il veut traîner avec nous? On doit faire une bonne impression. Allez, Dolly! Oh! Kate est là pour gagner. Donne ça! Oh non! C'est pas une balle! C'est... Le défi sans les mains! Oh, t'aurais pas pu choisir un pire moment. Eh bien... Kaita, ce truc. Oh. Oh, tout le monde à terre. Ah, c'était pas mal. Oh, bravissimo, Blondy, dit Denny. Ah, pas de main. Bienvenue à la séance d'entraînement. Avec votre hôte, Denny. On va commencer par des squats. C'est ça, les filles, doucement. Facile à dire pour toi. Oh, c'est dur. Dolly? Oh! Cette fille est en forme. Ok, prochain défi. Waouh! On vient de passer de 0 à 100 très rapidement. Kate ne veut pas faire ça. Arrête pendant que t'es en tête. Oh, pas de retour en arrière maintenant. Kate est la première. Ne tire rien du tout. Dolly. Oh, Kate, fais quelque chose. Une idée? Oh oui. Vas-y, prends ça. Une main? Pas question.
ici. Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Dingue. Pour 100 $. Le coach aide notre ami. Désolée, Kate. Je crois qu'on ferait mieux d'aller se rafraîchir. Ça sert à rien de concourir quand... Dolly n'a que la moitié du travail à faire. Oh, sérieux. Ce plan s'est vraiment retourné contre notre fille, n'est-ce pas? Ah, on arrête là pour aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'on fait des tractions. Allez, les filles. On dirait que c'est l'heure du déjeuner. Miam, miam. Dolly doit prendre un appel. Ce qui veut dire... non, Kate. Oh, les poupées. Oh, pour retourner là-dedans. Oh. C'est peut-être trop tard. Le mal est fait. Bon sang. Je me demande ce que c'est. Je suppose que Dolly et moi, on va le découvrir. Maintenant. Pas de main. Comment manger ce jus autrement? Très bien. Qu'est-ce que cette fille fait? Elle presse du jus de fruits. Cette fille doit vraiment être forte. Kate, monte le son. Essaye. Zéro main. Oh mon Dieu. Défi accepté. Vas-y, Dolly. Maintenant, on attrape tout ça. On peut pas gagner ici. Ah, c'est trop bon. Oh. Ah, la fille populaire. Ah. Qu'est-ce que c'est? Un test? Au moins quelqu'un est heureux. C'est vrai, notre nerd là-bas est en train de voler à travers ses questions. Kate, des idées? Chut. Pas de bavardage. On doit obtenir les réponses. Dolly a un plan. Elle plie un papier et glisse la chaussure à Kate. À plus. Et nous voilà, bébé. Allez, allez. Quoi? Pas de main? On va vraiment se planter maintenant. Et on doit passer le test ici? Ça va être une longue journée. À moins que... Hey! J'avais complètement oublié que Kate avait des pieds surhumains. Elle le fait. Incroyable! Tu pouvais le faire depuis le début. Il est temps d'obtenir une note. A plus! Hey, les copains! Regardez, des beignets. À moi. Non. On essaye sans les mains. On dirait que les donuts sont tous à Kate. Désolée. Très bien. Hey, tricheuse. Tu vas payer pour ça. Marc va arranger les choses par ici. Les donuts reviennent à Kat. Ici. Quant à Dolly, une nuit en tôle pour toi. Oh mon Dieu. Quoi de neuf, les filles? Sans macarons, littéralement. Et maintenant, la question est... À qui sera-t-il? Oh non. Une main. Oh, sérieux? Je peux pas ramasser cette friandise monstrueuse avec ça. Mon Dieu. Mais on peut pomper ses muscles. Super girl. Ah, désolée les filles. On a de la marchandise. Une idée? Un tensin, ça ne donne pas de muscles. Dut. Idée numéro 2. On va pomper tout ça. Ah oui? Dolly? Regarde, c'est quand la date d'échéance? Je rigole. Je vais aller à la gym.
Voyons vos cartes. Go! Les deux mains, une main et pas de main. Voyons nos aliments. Des globes oculaires en bonbons. Mon Dieu, tellement effrayant. Suis-je folle de penser miam? Je veux dire, ils ont l'air plutôt bons. Marc lève les yeux. Joli. On croque. Oh, tellement moelleux. Marc, ralentis mon pote. Nom, nom, nom. Val n'a pas de mal à utiliser un seul bras. Ils sont si faciles à ramasser. Bien joué, Val. Julie, tu peux y arriver. Elle y arrive très bien sans ses bras. Très bien. Continue maintenant. Il t'en reste tout un tas. Et au fil du temps, l'assiette se vide. Go, go, go! Presque terminé. Quelques derniers. Et voilà. Oh mon Dieu, elle va tout recracher. Trouvez de quoi vous couvrir. À votre gauche. Non, la droite. Un casque. Pourquoi? Ça ne s'est pas déroulé comme prévu, n'est-ce pas? Salut les gars, voyons ces cartes. Cool. Julie ne peut pas utiliser ses bras. Ça devrait être intéressant. Snack, s'il vous plaît. Oh non, oignon. Val et Marc ont de la chance, croyez-le ou non. Parce que les mains libres de Julie ont un mutant ici, dans l'assiette. Très bien, Val. Tu peux le faire, je crois. Toi aussi, Marc. Rien de bon ici. Allez, les gars. Vous pouvez le faire. Oh mon Dieu, ça a l'air terrible. Je ne voudrais pas du tout être à leur place, là, maintenant, tout de suite. Oh mon Dieu. Presque fini ici. Vas-y. Dégoûtant. Absolument dégoûtant. Julie, il est temps. Alors qu'elle mord. Oh, révélation! Ce n'est pas un oignon mutant, c'est un gâteau. Oh, Val n'est pas d'accord. Elle fend l'oignon. Seulement pour trouver un gâteau arc-en-ciel à l'intérieur. Ici, Marc, on le mérite, dit-elle. Ils ont volé la friandise de Julie. Qui peut les blâmer? Cet oignon doit être rincé. Vous savez ce qui pourrait rendre ça encore meilleur? C'est exact, un milkshake à l'oignon. Oh mince! Oh non, s'il te plaît, non! Mes yeux! Ne vous laissez pas berner par cette jolie couleur violette. Ce truc est un cauchemar dans un mixeur. Presque fini. On a des vrais mixologues par ici. Et voilà. La touche finale, une paille pour notre fille sans main. Oh, merci d'avoir rendu les choses plus faciles. Je ne peux pas croire que Julie est sur le point de boire ça. Oh gars, allons-y. Elle n'en peut plus. Pas mal, les gars. Maintenant, passez-moi une part de gâteau. Voyons voir. Très bien, alors. Les cartes ont parlé. Maintenant, amusez-vous avec ces pastèques. Oui, des pastèques. Oh, la malchanceuse sans main. À demain, Marc fend sa pastèque plutôt facilement. Super, profite bien de ça. Cool. Maintenant, encore une fois. Ça sera plus facile à manger. Juteux. Oui, oui. Wow, Julie a un bras avec lequel travailler. Yeah! Je ne connaissais pas les compétences secrètes de karaté de Julie. Eh bien, profite. Oh, miam. Tellement juteux. Pas de main pour une pastèque? Eh ben, bonne chance. Wow! Ça, c'était intense. Oui. Profite, Val. Et fais-nous savoir si tu te sens étourdi un petit peu plus tard. Que? Ta pastèque ne va pas s'enfuir de sitôt, Val. Oh, bon sang. Tu es coincé? Oh, mince. Un peu d'aide par ici? Bien sûr, dit Julie. C'est bon. Oh, Julie, je ne pense pas que c'est ce que voulait Val. Et touche finale? Superbe fille pastèque. Merci d'avoir regardé tout le monde. De nouveaux épisodes sortent tout le temps. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. À la prochaine fois. Peace!